Pro X Legend, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma première vidéo commentée sur MW2. Donc je vais vous proposer déjà les deux mini-jeux qu'on a inventés, moi et ma team, donc la team SDK. Donc ce premier mode de jeu s'appelle le mode Pac-Man, donc c'est un mode zombie contre humain, hein, d'accord, c'est pas compliqué. Donc tout le monde est en classe observateur, et moi je suis l'équipe bio, donc je suis un zombie, équipe rouge. Donc le but. Enfin, on va dire ma mission, c'est de cutter les humains, donc le cutter les points rouges qui est en face. Sachant que les points rouges, donc les humains, n'ont pas le droit de se défendre, ni d'envoyer de flash, de me cutter, il n'y a que moi qui ai le droit de cutter sur la map. Donc, dès que j'arrive à cutter quelqu'un, ce quelqu'un, donc ce sera peut-être Pichoun, je me rappelle pas, change d'équipe, donc il vient dans mon équipe et il m'aide à cutter les autres points rouges. Donc c'est assez simple, d'accord. Donc là, je suis en train de courser Pichoun, il aime bien faire le guignol. Hein. C'est mon ami, c'est mon Pichoun. D'ailleurs, je fais des bisous. J'espère que je serai pas des jaloux. Donc voilà. Donc il faut savoir réfléchir hein, dans ce mode de jeu-là. Faut pas trop rester sur une cible si on est sûr de pas l'avoir. Hein. Le but, c'est d'enfermer quelqu'un. Donc forcément, quand on est le seul zombie au début... C'est un peu compliqué, mais dès qu'on se retrouve à deux, c'est large, c'est 10 fois plus facile parce qu'on peut enfermer quelqu'un très rapidement. Donc c'est assez amusant, c'est assez stressant des fois. Donc là voilà, je cut BG Scops. Donc là, il a changé d'équipe. Voilà, il est dans mon équipe. Et là, il va m'aider à cutter les autres. Donc vous avez vu, c'est pas du tout compliqué. C'est un mode amusant. Une fois que les règles y sont respectées, après franchement, le mode de jeu il est assez rigolo. Des autres dérivés, hein, nous on appelle ça Pac-Man, on a instauré les règles, donc voilà. Il a cuté, donc on va avoir un nouvel allié. Voilà, Nono, dans notre équipe. Ah, mon ami Stan. Je te fais un bisou, mon Stanou aussi. Chance. Voilà, il reste deux adversaires, donc là bon bah c'est terminé. Ça a été plus vite que prévu, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça sur une autre map, donc juste pour bien faire voir ce mode de jeu, on va mettre ça sur Skid Row. Désolé, je suis un petit peu malade. On peut dire qu'il fait froid dans le nord. Donc voilà, on refait un Pac-Man donc sur Skid Row. Donc je me remets en zombie. Pour faire plaisir, on va dire. Ah oui, si vous voulez une autre chose. Parce que souvent c'est la bagarre, non c'est toi le zombie, mais non c'est toi, t'as pas encore été. Bah c'est simple, la règle la plus simple, c'est le premier cuté par le zombie qui devient zombie à la prochaine partie quoi. C'est ce qu'on fait dans notre équipe et bon, on n'a jamais trop de problèmes. Bon après c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me dire ah Pichoun tu m'as cuté, d'accord bah la manche d'après je te lâche pas quoi, bon. Après c'est comme vous voulez, du moment que ça fait rire. Je joue juste pour rigoler quoi, donc voilà, je l'ai cuté assez facilement, j'ai eu de la chance, il s'est mangé 2-3 murs. Ça arrive hein, on n'est pas irréprochable. Hein. Oh, il y a un copain qui bouge pas. Bon bah je vais le cuter, hein. Voilà. Enfin du moins une copine, smiley. Oui, on se fait aussi des petits coucous pendant les parties, ça fait toujours rire, donc voilà. En fait, lui, il attend juste que je monte pour déguerpir comme comme un furet, quoi, comme on dit. Je vais pas dire des obscénités, quoi, ça ne se fait pas, mais... Voilà, après, c'est la course-poursuite, hein. C'est ça le plus drôle. C'est quand quelqu'un est enfermé par deux gars, quoi, qui se dit « Ah, je suis foutu, comment je vais faire ?» Voilà... Oh, Pichoun qui a loupé ça. Bon, ça va, il s'est rattrapé.
Parce que là, elle aurait eu un petit peu la honte, j'ai envie de dire. Donc voilà. Il reste plus qu'une personne, donc c'est Big Scope. Ah bah il vient de se faire cuter, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ça vous servira pour vous amuser en match privé. Donc si vous voulez bien, bah, laissez des commentaires, aimez ma vidéo et puis abonnez-vous. Allez, bisous, ciao!